dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h32, oui, comme chaque jour, nous sommes en retard, on a pris l'habitude, on est bien. Oui, c'est voilà, vrai. C'est tranquille, on attend de faire un pique-nique, on est détendu. On va s'écouter Bruno Mars, ça arrive juste après les infos, il y aura aussi le dernier Macklemore, le Super 06, c'est dans moins de 10 minutes le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie. Tout ça, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, c'était prévu, changement de temps, le soleil ne va se montrer que dans quelques éclaircies aujourd'hui, les nuages vont avoir le dessus le plus souvent, laissant parfois même s'échapper un petit peu de flotte, les températures en baisse ne vont pas dépasser les 18 degrés avec un fort mistral. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. L'Académie de Montpellier et toute la zone A rejoint la zone B et l'Académie d'Aix-Marseille dans quelques heures. Début des vacances de printemps dans le Gard notamment. Sur la route Bison Futé a classé la journée verte de l'orange pour demain. Dans l'actu également ce matin, un salarié de Veoliao à Avignon licencié après 20 ans de boîte. Sa faute, avoir refusé de couper l'eau à des familles qui n'avaient pas payé leurs factures. L'entreprise a attendu 7 ans avant de passer à l'acte au début du mois. Aujourd'hui, Marc, 48 ans, espère pouvoir réintégrer Veolia à un autre poste. Des logements toujours plus chers. Les Français dépensent en moyenne 633 euros par mois pour se payer un toit. C'est 16 euros de plus que l'an dernier. Les locataires sont les plus touchés avec une hausse de 32 euros. Un tiers des Français déclarent avoir du mal à payer leur mensualité. On passe au sport et au foot avec la 33e journée de Ligue 2 pour Arles-Avignon qui reçoit Istres ce soir au Parc des Sports. Après l'avoir emporté à Laval la semaine dernière, il faut rester mobilisé. Benjamin Absom. Ah, c'est clair, c'est vrai que là, les trois matchs sont à Laval, Istres ou Le Mans la semaine prochaine, c'est trois concurrents directs. Après c'est vrai que Istres, on les connaît, c'est que c'est une équipe qui aime bien jouer au ballon, ils ont une philosophie de jeu, ils jouent offensif. Donc après on s'est donné un beau joker à Laval, on a fait un beau truc, donc c'est vrai qu'on aimerait après gagner à Laval pour perdre chez nous contre Istres, ça servira à rien, donc on aimerait bonifier. Si on peut enchaîner les trois matchs cruciaux là, les trois qui on a déjà fait, on a fait un premier pas, mais demain il faudra enchaîner, ce serait super, et après on ira au Mans sans pression et on essaiera de faire un coup là-bas. Et coup d'envoi de la rencontre à 20h. Début également de la 33e journée de Ligue 1 ce soir. Lyon va jouer à Montpellier. Coup d'envoi à 20h30. Demain, un seul et unique match. Marseille-Brest à 17h. Dans la foulée, placée à la finale de la Coupe de la Ligue entre Rennes et Saint-Etienne. Les autres matchs de Ligue 1 se joueront dimanche. Quelles sont les personnalités les plus influentes de la planète? Comme chaque année, le magazine américain Time publie son top 100. Parmi les petits nouveaux, Kate Middleton, l'épouse du prince William. Beaucoup d'artistes aussi figurent sur cette liste, comme le couple Beyoncé-Jay-Z. On retrouve également Justin Timberlake, qui vient de sortir son nouvel album. Ou encore Christina Aguilera, l'ancienne jurée de The Voice aux USA. Voilà pour vos infos. Bonne matinée. Comme chaque matin pour démarrer cette journée, c'est vendredi et c'est le week-end qui démarre. Oui! Dites-vous bien que le week-end démarre quand on a envie qu'il démarre. Il se décide. Il démarre pas d'un coup par magie le vendredi à minuit. Non, ça est dans la tête. Dites-vous que le week-end démarre aujourd'hui à 8h35, là maintenant. C'est dans la tête, c'est dans sa façon de faire. Tout à l'heure, c'était à 8h, j'ai doublé le salaire de Jordan qui était employé de pompe funèbre. Ouais. Ok, on se dit putain c'est pas le week-end qui démarre, je vais bosser aux pompes funèbres. Change, au lieu de t'habiller en noir aujourd'hui, employé des pompes funèbres, arrive en chemise hawaïenne. Je sais pas si ça passe. Mais si, alors les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous faites, aucun respect. Si, je respecte, mais le mort aussi a droit à son week-end. C'est le week-end. Changez vos habitudes, changez un petit truc, arrivez en tongs au boulot aujourd'hui. Détendez-vous, vous allez voir, ça va vous changer la vie. On est là pour le démarrer ensemble ce week-end. Stéphanie est là. Bonjour. Oriane est au standard. Salut. L'équipe est là. Bonjour. Ouais. Vous nous appelez, vous nous rejoignez. 0 870 42 48. On va s'écouter Bruno Mars, ça arrive dans quelques minutes. Le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie et vous permettre de passer un très bon week-end. Ça arrive dans moins de 10 minutes pour vous. Et j'ai un beau cadeau à vous faire gagner. Comme chaque jour depuis le début de la semaine, à l'occasion de la sortie de Iron Man 3, c'est mercredi prochain, c'est le 24 avril, avec Énergie. Je vais vous offrir une télé HD, un système home cinéma, un lecteur Blu-ray, avec un pack DVD Blu-ray de Iron Man et Iron Man 2, et deux places de cinéma pour aller voir Iron Man 3 au cinéma. Juste ça, quoi. Juste ça, effectivement. On aurait pu rajouter des trucs, on s'est dit, bon, c'est peut-être beaucoup déjà. Tout ça, je vous l'offre, et il va falloir m'appeler au 0 870 42 48.
Je vais vous poser une question. On m'a demandé de poser des questions sur Iron Man. Ouais. Je vais vous poser une question dans quelques secondes, le temps de la trouver. C'est ça. Et le temps de la trouver, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous connaissez tous cette sonnerie de l'iPhone. La sonnerie qui a deux bases sur les iPhones quand on vous appelle, c'est ça. Ah oui. La sonnerie Marimba, ça s'appelle. C'est la classique. Vous avez déjà tous entendu cette sonnerie quelque part. Nico du web. J'ai une pensée pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Putain, il est où mon téléphone ?» C'est vrai, c'est drôle ça. Eh bien, il y a des gens qui se sont dit « C'est de la musique cool, on va en faire un remix. » Ouais. Et écoutez, c'est pas mal, voici un remix, c'est des Français qui ont fait ça, un remix de Marimba. C'est ambiance sieste sur le hamac quoi. Ah, attends, c'est l'été quoi. Ouais c'est ça. On est bien, on est détendu, rien de standard. Quand j'entends ça, j'ai envie de mettre des noix de coco sur ma poitrine et de danser comme une hawaïenne. En plus déjà que ta poitrine elle est déjà en noix de coco. En plus, ah, c'est vrai, tu as des très beaux seins. Ouais ouais, en noix de coco exactement. Ouais. Avec les poils des noix de coco. Non. J'aime bien moi, franchement ça. Ah, c'est sympa. Ouais. Hey. Est-ce qu'on peut pas, Nico du web, le mettre sur le web, ouais. Et comme ça vous pouvez la récupérer et la mettre en sonnerie. Ah oui, oui. Pour qu'on puisse la mettre en sonnerie de portable. Ouais. Si tu peux faire ça, toi qui sais tout sur le net et sur la technologie, je t'aime. Ouais, tout de suite. On va vous mettre ça sur Manu dans le 69.com, le remix de la sonnerie de l'iPhone. 8h38, faut que je pose une question pour vous faire gagner les beaux cadeaux Iron Man 3. Ouais, t'as réfléchi ? Bien, je l'ai la question. Le réalisateur d'Iron Man, il s'appelle Shane Black. Je suis sur sa page Wikipédia. Ouais. Ok. Alors, il est pas très connu, mais en fait, c'est lui qui a fait l'arme fatale en 98. D'accord. Ok. J'ai toujours pas ma question. D'accord. Ça va venir. 98, évidemment, la Coupe du Monde de foot. Ah oui. C'est la France qui est devenue championne du monde en foot en 98. Ouais. Question. Combien de buts les Français ont marqué contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde en 98, sachant qu'ils ont gagné le match 3-0. Bonne chance à vous. Ah, c'est dur, hein. C'est ma question pour gagner une télé HD, un système home cinéma, un lecteur Blu-ray, les DVD Iron Man et Iron Man 2 et les places de cinéma pour aller voir Iron Man 3. Je prends le gagnant juste après Bruno Mars. C'est pas facile, hein. Bonne chance à vous. C'est énergie.